David Rodier, vous êtes directeur commercial et marketing de Hitachi France. Pouvez-vous nous parler de votre activité en 2011? Alors l'activité en 2011 a été assez soutenue malgré les contraintes qu'on a connues cette année avec l'arrivée de ce tsunami et de ce tremblement de terre au printemps dernier, donc au Japon, qui nous a pénalisé notre production, nous a réduit un petit peu l'acheminement de nos machines vers l'Europe. Malgré tout ça, le réseau de distribution est resté concentré sur ses bases, a continué à travailler sur les produits qui étaient disponibles et a réussi avec son travail, par le biais de son service, par le biais aussi de sa qualité de vente, à augmenter ses volumes de vente et augmenter le volume de vente d'HSF d'environ entre 15 et 20% cette année. On a considérablement augmenté notre niveau de part de marché en pelle hydraulique, en pelle sur chenille notamment, puisque dans le segment des plus de 8 tonnes, à partir de 8 tonnes jusqu'à la gamme carrière, donc à l'appel 50 tonnes, on a une part de marché qui oscille cette année et qui finit en décembre à un peu plus de 12%. Disons que l'activité 2012, je la vois plutôt assez soutenue, enfin un maintien sur le premier semestre, et une grande zone opaque, disons, après ce deuxième semestre. Le premier semestre, de par le biais de beaucoup d'activités qui sont en train de se mettre en place au niveau national, au niveau de certains chantiers. Et après, évidemment, on espère que d'autres phases rentreront en jeu après la phase électorale qui sera terminée. Alors, le réseau de distribution, notre gros travail est de le maintenir par la force de ce que nous, on veut mettre en place, par notre stratégie, mais aussi de continuer à les pousser en avant sur les bases de leurs services, qui sont très importantes, à mon avis, pour continuer à travailler avec les clients que nous voulons rechercher aujourd'hui. D'accord.